www.otonapoto.com. www.potonapoto.com. www.potonapoto, ça dit que toi na poto, toi tu la raka na poto avec Lamine Donvu, hein? Babi moto et pila, hein? Moto et pila na poto, na poto. Kembo, 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 alege, moyo lili. Kembo yo mama. Alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele. La maman, la chante, la maman, le ministre, c'est la maman. À l'EPSP jusqu'au grade de chef de division commissionné. Les fonctions exercées au Fonds de promotion culturelle 1998-1999, vérificateur à l'antenne délimitée 1999-2000. Chef des bureaux de recouvrement à la direction provinciale FPC Congo Central. 2000-2002, directeur provincial FPC Congo Central. 2002-2008, premièrement chef de division chargé des investigations et identifications. Pendant la même période, chef de division chargé d'audit à la direction générale. 2008 à 2012, chef d'agence FPC Matadi. 2012 à ce jour, chef de service à la direction d'études, planification et de la formation. Vous remarquerez avec nous que le parcours de cet homme, partant cette brièveté de cette vie, est exceptionnel. Homme d'une valeur incomparable, très méticuleux, carré dans sa façon d'agir, un sens d'humanisme élevé, bosseur à son genre, cheval, que sais-je encore. À sa famille, nos condoléances les plus attristées, parce qu'elle vient de perdre un être cher. Un rassembleur qui est parti, un cœur généreux, très sociable, qu'elle tenterait même de croire que le vieux Louis est irremplaçable, de par les qualités qui l'enfermaient. La grande consolation que seuls les très hauts puissent vous la donner, à sa hiérarchie, ses collaborateurs et collègues de service. Un homme serviable, d'une intelligence pointillée, de par son sens d'organisation, sa mémoire restera gravée dans les annales du Fonds de promotion culturelle. Malgré que la maladie l'a terrassé pendant un long moment, que son âme repose en paix et que, au moment de la résurrection, qu'il figure parmi les saints. Nous vous remercions de tout cœur. Ok, merci beaucoup, messieurs les représentants du DG du FPC.
Maintenant, nous allons inviter la fille cadette du défunt qui a aussi un mot. Nous allons inviter mademoiselle Ornella Ouamba. J'ai chargé mon petit frère
ton jeune frère aussi le témoigner. L'illustre homme qui nous quitte, ce cher ami, source aujourd'hui de nos pleurs, sanglots, émotions, supplications et interrogations, notre frère défunt, gisant là devant nous, s'appelle Louis Wamba Massamba, affectueusement Yapapa Kuki. Sociologue et éducateur, il s'efface avec lui son expertise, son savoir-être et son savoir-faire. Une vraie perte immense. Yapapa, n'y était cette fatalité, cette douloureuse séparation. Notre amitié atteindrait ses 50 ans l'an prochain. Nous pouvons passer au dépôt des germes des fleurs. Ainsi, pour commencer, je vais d'abord inviter le secrétaire général de la culture et arts ou son délégué à déposer le germe de fleurs. Et ensuite suivra la direction générale du FPSC, représentée par son DG, et aussi la coordination provinciale du FPC Congo Central. Yeah.
jury espère nommer, s'il vous plaît, rapidement, parce qu'on est pressé par le temps. Et pour qu'il y ait un groupe pour m'appeler ma commande,
Yeah.
À la mémoire de M. Wamba Massambaloui. Vous n'irez plus le chercher à son domicile du numéro 12B de la MU Bamanga, quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamu, ni à la sortie du culte de dimanche dans sa paroisse, ni même à son lieu de travail, car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Polaris, allée 25, au numéro 1159 de la rue des Rêves. Je répète l'adresse de Papa Louis, quartier Polaris, allée 25,
au numéro 1159 de la rue des Rêves, pour que sa mémoire ne soit vouée à l'usure du temps. Nous vous exhortons à revenir, souvent et chaque fois que vous le pourrez, visiter sa dernière demeure et refleurir sa sépulture. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à sa famille nos plus sincères condoléances. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 8. Chaque chose a son temps.
Amen. Voilà, si vous jetez, vous cédez la place aux autres.